au cabinet du président de la République, un autre, le ministre des Affaires étrangères, hellénique, porteur d'un message d'invitation destiné au chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Au cours de cette entrevue, les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre le Gabon et la Grèce. Tout d'abord, j'ai été honoré d'être reçu par le président. Et nous avons eu l'occasion, avec mon cher ami, le ministre des Affaires étrangères, de discuter de la manière dont nous pourrions renforcer les relations entre le Gabon et la Grèce, mais aussi entre le Gabon et l'Union européenne. Nous avons passé en revue certaines spécificités et de nombreux aspects dans la discussion, puisque nous allons signer 3 accords. Il s'agira d'accords entre le Gabon et la Grèce, donc particulièrement un accord sur la culture, un autre sur le sport et un accord sur la coopération militaire pour que certains militaires gabonais soient formés à Athènes. Mais nous avons également passé beaucoup de temps à discuter de la manière dont l'industrie touristique grecque pourrait aider le Gabon à devenir une destination touristique. Nous avons eu le grand honneur de transmettre au président Ali Bongo l'invitation de la présidente de la République hellénique, Madame Katerina Sekelaropoulou, afin qu'il vienne nous rendre visite. Intéressée par le potentiel naturel de notre pays, la Grèce se propose d'accompagner le Gabon dans le développement du secteur touristique.